Science, découverte, prenez de l'avance. Bienvenue dans Futuris. La rivière, un lieu essentiel de la vie sociale au Gabon. On y vit en famille, se laver, laver son linge, la vaisselle ou tout simplement jouer. Mais dans ce pays d'Afrique centrale, au climat tropical, une menace invisible se loge dans cette eau. Une menace bien connue des experts en parasitologie. C'est un exemple type. Il est là dans l'eau, il va passer une ou deux heures là. Donc les vers qui donnent la bilharzie ont le temps nécessaire pour traverser la peau, pour pénétrer et puis commencer leur cycle normal. La bilharzie, c'est le nom de cette maladie et du parasite qui en est à l'origine. Ces larves vivent dans des escargots aquatiques. Une fois dans le corps humain, elles grandissent et les vers se reproduisent. Les œufs s'évacuent à travers l'urine et reviennent dans les rivières où de nouvelles larves voient le jour. Le cycle se répète et les conséquences sont graves. La bilharzie sous cette forme se traduit par une hématurie, c'est-à-dire une présence de sang dans les urines et des douleurs, surtout abdominales. Il peut aussi y avoir un mal-être général et au stade chronique, des modifications qui peuvent entraîner une stérilité de l'homme et de la femme. À long terme, un cancer de la vessie peut même apparaître. Les spécialistes européens en maladies tropicales étudient depuis des années la bilharzie à travers différents projets de recherche en partenariat avec leurs collègues africains. Il y a quelque temps, ils ont fait une découverte inattendue. Cette infection parasitaire a probablement aussi des aspects positifs. Les personnes qui ont eu des infections systémiques avec des vers dans leur enfance ou leur jeunesse développent nettement moins d'allergies que ceux qui n'en ont pas eu. À présent, les scientifiques cherchent donc non seulement à traiter la maladie, mais ils tentent aussi de comprendre ses liens avec la prévention des allergies. Maintenant, on va au village, on collecte les urines que nous allons amener au labo plus tard pour examiner, pour voir si les enfants sont infectés. Au Gabon, en milieu rural, entre 80 et 100% des enfants sont infectés. L'étendue de la maladie est visible à l'œil nu à travers de simples échantillons d'urine. Ah, c'est pour la fille là ? Viens d'abord. Tu t'appelles comment ? Adidou, tu as quel âge ? Cet enfant est infecté par la bilharzie. Donc quand on va comparer cela avec celui-là par exemple, comme vous voyez, les deux pots d'urine, encore une fois, celui-là est beaucoup plus tire vers le rouge comparé à celui-là qui est jaune, qui a la couleur exacte de l'urine. Et ça continue toujours. Concernant la prévention de la bilharzie, les mesures sont difficiles à mettre en œuvre. D'accord ? Tu continues toujours à aller dans l'eau ? Qu'est-ce que tu fais dans l'eau souvent ? Je lave le linge, je lave la serre, je me lave aussi. Est-ce que cette eau est à l'origine de la bilharzie que tu as ? Oui. Et pourquoi tu continues à y aller ? Bon, sinon on part là-bas parce que l'eau de la pompe n'est pas bien et puis c'est la bonne eau que nous avons ici. Hein. D'accord. Ok, on va examiner tes urines et si on trouve les œufs, on va t'apporter les médicaments. D'accord ? Ok. Tu vas à l'école ? Tu es en vacances pour l'instant. D'accord. Pendant ce temps, dans un laboratoire tout proche, d'autres recherches sont menées. Les larves de bilharzie sont étudiées grâce aux escargots collectés. Les chercheurs pensent qu'à l'intérieur du corps humain, les larves et les vers activent des hormones qui provoquent des réactions immunitaires contre les allergies. Nous n'avons pas l'intention d'infecter les personnes avec des vers ou de les laisser avec leur infection. Ce ne serait pas une solution valable pour contrôler le problème de l'allergie. Nous essayons d'extraire des vers les molécules qui peuvent déclencher ces mécanismes immunitaires. Nous cherchons les molécules capables d'activer le mécanisme de protection contre les allergies dans l'enfance.
La recherche de ces molécules se poursuit en Allemagne, à Tübingen. Les experts en parasitologie essaient de comprendre comment les larves et les vers interagissent avec les escargots et à l'intérieur du corps humain. Ils se doutent déjà du type de cellules sur lesquelles agissent ces molécules qui combattent les allergies. Nous ne savons pas encore quelles substances, quelles molécules sont responsables de cette action. Mais nous savons à peu près quelles parties du système immunitaire sont concernées. Ce sont ce qu'on appelle les cellules T, dites régulatrices. Elles sont introduites par les vers parasites et entraînent un effet positif sur les allergies. Les souris sont un acteur clé dans ces recherches. Certaines ont été infectées par des vers, puis on leur a provoqué des allergies. Les premiers résultats sont prometteurs. Cela se voit très bien avec le modèle de l'asthme. Les souris qui ont des vers depuis la naissance ne sont pas capables de développer des allergies. Donc nous avons là quelque chose de concret pour examiner la relation vers-allergie. Ceci va nous permettre d'identifier un jour une molécule avec laquelle nous pourrons peut-être un jour empêcher une allergie ou même éventuellement la guérir. Retour au Gabon, la priorité est donnée au traitement rapide et efficace de la bilharzie. Les échantillons que nous avons collectés chez les enfants seront examinés au microscope optique, à notre laboratoire. Alors, bonjour. Est-ce que tu pourras vouloir prendre un échantillon? On ferme. Et maintenant, on passe à la lecture. Comme le redoutait Hakim, les œufs du parasite apparaissent dans la plupart des échantillons d'urine. On peut savoir si notre fille est infectée ou pas. J'ai aperçu déjà un œuf de la bilharzie. Ça prouve que la fille que nous avons vue au village est bel et bien infectée par la bilharzie. Et les œufs sont les preuves d'infestation par ces parasites. Le traitement peut alors commencer. Pendant ce temps, les scientifiques européens et africains vont poursuivre leurs recherches dans les villages gabonais et au bord des rivières, s'efforçant à la fois d'éradiquer la bilharzie et de lutter contre les allergies.